Et mon petit make-up, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, c'est encore un room tour, mais vous savez bien que je change souvent mon make-up. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup regarder des room tours comme moi. Fait que go, c'est parti, on va tout de suite commencer. Mon genou est pris en dessous. Et si vous voulez que je fasse un room tour, mettez plein de pouces bleus. On y va avec... Bon, souvent, j'ai pas beaucoup de pouces bleus en dessous de mes vidéos. Fait que si vous voulez que je fasse un retour de ma chambre, mettez. Allez, je veux pas vous en faire beaucoup. Entre 3 et 5 pouces bleus, ça me ferait pas plaisir. C'est parti. Fait que, déjà, en premier, avant de faire le retour, je voulais juste vous avertir que. Ça me fait hyper plaisir de revenir avec vous. Parce que vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. En même temps, je range. Je vous l'ai dit plusieurs fois que j'ai été très triste envers que j'ai perdu ma chaîne YouTube qui avait beaucoup d'abonnés quand même. Fait que je suis très triste comme ça. J'aimerais vraiment la reprendre. J'ai eu des bons souvenirs, mais moi, quand je le vois, j'ai envie de pleurer parce que je peux plus la prendre. Mais bon, c'est pas grave. C'est difficile de parler de ça, ça paraît pas, mais c'est difficile vraiment de parler de ça parce que j'ai fait tellement de belles choses. Je veux juste pas pleurer devant vous là, mais pour vrai, je peux pleurer d'un jour à l'autre pour ça. Oui, c'est très sérieux. Moi, je suis une fille très émotive. Fait que... On commence tout de suite. On va commencer par mon plateau, on va dire. Là, vous le savez très bien qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs. Fait que là, je vous montre juste l'emplacement. Alors ici, maintenant, il y a mes petites palettes. Mes grandes qui n'ont pas changé. J'ai mis mon miroir là parce que ici, parce que dans ce tiroir-là maintenant, c'est rendu mes chandails qui ne s'ouvrent même plus tellement que j'en ai. Vous voyez, c'est un rabord. Puis le tiroir, il est gros comme ça. Fait que moi, j'ai un petit peu beaucoup de chandails, mais parce que là, je viens de faire toutes mes brassées, fait que c'est toutes mes chandails. Puis là... Oh non! Oh! Ça a tout coulé dans mon lit! Ok, en plus, ça fait une forme vraiment bizarre. Il y a là, puis tout ça. Tabarnouche, comme si la journée n'était pas assez cool, tu sais. Là, ici, il y a mes pantalons. Oui, je suis vraiment une femme de pantalons. Si vous voulez me faire quelque chose, pensez à des pantalons. Et c'est un petit sambon que je mettais dans mon casier avec ma meilleure amie Emma. Pour que notre casier sente bon, pour pas que ça sente les vieilles chaussures. Puis ça me rappelle aussi le primaire parce qu'on l'a mis en 6e année cette année. Ici, avant ça c'était là-dedans, où c'est le tiroir. Mais j'ai rajouté ça comme ça, fait que là c'est qu'on dirait que j'ai 4 tiroirs, mais non. Donc voilà, je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai comme rouge à lèvres. Et après celle-là, je vais tout de suite faire une autre vidéo. Je vous montre toutes mes rouges à lèvres liquides. Voilà. Si vous avez des jurons, les Nyx aussi, les rêves d'Annabelle. Et voilà à peu près qu'est-ce que j'ai. Ici, toutes mes rouges à lèvres que rouges à lèvres de l'Arma, des Lepsil, des rouges à lèvres Entrepôt de la Forlie, tout ça. J'étais vraiment plein de marques, des marques pas chères, mais pas obligé d'être cher pour être du luxe. Ah, coucou! Ici, il y a ma routine, fait que huile à la lavande, des maquillants, un sérum pour les boutons, ici c'est pour, comment je peux dire ça, on va dire aider la peau, un petit Lepsil, un gommage, des crèmes, mon Lepsil dedans, comme ça, et un autre démaquillant. Je vais aller au mieux d'aller là parce que là, vous connaissez déjà ce bout-là. Je vais aller tout de suite ici. En fait, ce que mes pantalons étaient dans ce tiroir-là, mais vous voyez, à cause de mon lit, je peux pas l'ouvrir. Je vous disais, mais pourquoi vous allez, tu ne mets pas là? Parce que j'ai lu pendant à peu près de 1 an à 2 ans qu'il était ici, puis j'étais plus capable de le voir. Fait que je l'ai mis là, mais tac, je le remonte. Puis j'avais juste ça. Fait que pour mes pantalons, c'était vraiment galère.
Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de changer, mais vous voyez, j'accepte quand même recourbe-cils. Là, tout là-bas, ici, c'est tout mes cotons, fait que ça va. Masque, ciseaux, puis là, il y a mes jogging. Puis ici, ça a absolument pas changé, même pas du tout, fait que... Ici, palette pour le teint, Voilà pour le rento. Je vais pas finir cette vidéo-là. Mais non, c'est sûr. Je peux pas faire une vidéo de 6 minutes, là. C'est sûr que non, là. Ma palette de chez NYX. Je voulais vous en parler, mais je voulais pas faire une vidéo entière, fait que c'est le bon moment, je crois. Un peu sale. Mais bon, ça, c'est pas vraiment de ma faute. Je vais juste prendre un petit soupir. Oui, elle coûte cher. Je comprends. C'est NYX, ça coûte très cher. Et elle dit, mais comment de bord tu peux atteindre toutes tes rouges à lèvres et tout ça quand t'as pas d'argent? Oui, j'ai pas d'argent. J'ai pas de travail non plus. J'ai déjà dit dans mon ancienne chaîne. Arrête de parler de ton ancienne chaîne. Ma mère, elle a un ami, puis son ami, son père, est travaillé dans une pharmacie. Fait que quand les produits sont démodés, il donne à sa fille, puis elle a des bacs pleins, puis elle nous appelle. Venez, si vous voulez vous trouver. Fait que, voilà. Mais ça, c'est mon père qui me l'a payé. C'est un petit cadeau, hein, parce que j'ai été beaucoup respectueuse dans les derniers mois. Pas maintenant, mais avant. Parce que maintenant, je suis rendue chiante. Je respecte tout le temps. Alors, je vais vous parler de cette palette-là parce que vous voyez, il y a différentes teintes. Elle, c'est elle que je prends même si elle est très foncée. Je vais faire des swatchs. Vous voyez, mais quand on l'éponge bien, vous voyez, ça peut le faire. Elle est très chaude. Vous voyez, à comparer l'autre. Pour faire un contouring, c'est sûr qu'il faut une teinte froide. Voyons, Brunette. Si vous voulez faire du bronzer, pas de problème. Ça est entre le froid et le chaud. Ça peut être contouring ou bronzer. Puis celle-là, très pâle, très pâle. Ici, il y a un highlighter. Le plus pâle. Puis il est très blanc. Là, il n'y a pas de lumière, fait qu'on ne voit pas très bien. Puis j'ai vraiment, moi, mal swatché. Je vais vous le... Voilà. Ensuite, l'autre highlighter, il est beaucoup plus discret. Ouais, c'est vraiment un highlighter discret. On l'a même pas vu dans la vidéo, mais en même temps, j'ai une lumière absolument de merde. Ici, il y a des poudres. Fait qu'il y a une poudre plus jaunante, une poudre plus rosée. Moi, j'utilise bien sûr les deux, mais bon. Je vais vous parler de cette petite palette parce que c'est une merveille. Elle coûte cher, mais si ça vaut la peine de la dépenser. Fait que... Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas entre 3 et 5. 5 dollars. Entre 3 et 5 likes, j'ai fait mon room tour de chambre. Ok, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. J'espère qu'elle vous a plu. Fait que bye, je vous aime.